Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en aparté. Vous faites bien de choisir West Africa TV parmi tant d'autres, où que vous soyez. En tout cas, moi, je vous suis vraiment redevable dans cette émission. Eh bien oui, donc, Star Aligne, elle met en tout cas à lumière toutes les stars, voilà donc, de la Guinée. Hein. Comprenez très bien l'objectif principal de cette émission, voilà, Star Aligne, car la beauté d'une émission se réside par la diversité des ses téléspectateurs. Une fois de plus encore, je vous passe mon salam. Tout de suite et maintenant, bienvenue dans votre émission Star Aligne, parce que cette émission aujourd'hui est beaucoup sollicitée. Voilà, une fois de plus encore, moi je vous dis merci. Une fois de plus encore, merci. Une fois de plus également, merci à vous. Voilà, tout ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, tout ce qu'on fait, c'est pour vous, hein, une façon de vous faire plaisir, parce que sans vous, nous, on n'existe pas. Et rapidement, ce soir, nous sommes avec un invité exceptionnel. Vous savez, dans toute chose, il y a vraiment exception, quoi. Alors, celui que nous avons ici, vous peut-être à travers cette émission, vous allez découvrir plusieurs choses. En même temps, mais juste un petit message, hein, juste une petite précision, comprenez, je n'invite personne sur ce plateau pour créer des polémiques autour de sa vie privée, non, loin de là. Mais par contre, nous sommes tenus obligés aujourd'hui de connaître davantage nos stars, savoir ce qu'ils font à longueur de journée, surtout connaître leur vie privée. Hein. Une star n'a pas de vie privée, retenez bien juste le mot. Hein. Alors, rapidement, on va partir avec notre invité. L'invité s'appelle Ousmane Nyelui, ministre de la Défense, voilà donc du professeur Alpha Condé sur Facebook. Il est donc notre invité ce soir dans cette émission. Ousmane Nyelui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Campbell. Mais approche-toi un peu du micro là. C'est quoi? Tu as peur? Peur de qui? Non, peut-être de moi, je ne sais pas. T'es qui? Qui? Moi? Oui. Je suis moi-même. Ah, voilà. Voilà. Avoir peur de toi. Voilà, le fils de mon père. Mais approche-toi un peu, parce que le son ne passe pas bien, quoi. Ok. Voilà. Ousmane Nyelui, ça va? Ça va. Ça fait longtemps. Bon, tu peux pas me dire que ça fait longtemps, on ne se connaît même pas. Oui, on ne se connaît pas, mais ça fait longtemps, je ne te vois plus sur les réseaux sociaux. Voilà, avec, faut bien préciser, après, et sur les réseaux sociaux, avec cette propagande, tu as tout arrêté maintenant, quoi. Tu es devenu, à présent, tu es sur le droit chemin, quoi. Ce n'est plus comme avant. Voilà. Sinon, autrement, ça va, hein? Ça va, alhamdoulilah. Okay. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Tu vas très bien. Ouais. Mais moi, j'ai comme l'impression que tu es malade, hein? Tu as vu, tu as dépéri, malade, là. Malade, genre. Franchement, tu es trop mince, quoi. Je suis même surpris ce soir quand mais je t'ai moi, vu. Moi, je n'ai jamais été gros. Ah bon? Tu as toujours été comme ça? Ouais. Demande à tous qui me connaissent. Tous ceux qui te connaissent savent que tu es comme ça. J'ai été toujours comme ça. Toujours la même personne. Ouais. Ok, Ousmane Nyelui, merci d'avoir quand même accepté cette invitation, parce que moi, honnêtement, je ne m'attendais pas. Mais dis-moi, on va partir rapidement dans l'émission en question. Ousmane Nyelui, c'est quoi cette histoire avec l'IFDG? On va d'abord prendre le départ, quoi, le début au fait, parce qu'on ne doit pas briser les étapes dans cette émission. Sincèrement, moi, je ne parle pas de l'IFDG. Ousmane Nyelui, tu ne veux pas parler de l'IFDG. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que tu es un frustré, quoi. Pas frustré. Qu'est-ce que toi tu appelles frustré? Oui, c'est comme si aujourd'hui tu es vraiment fâché contre ces partis politiques. Pourtant, grâce à l'IFDG, nous on t'a connu ici en Guinée. Hein? Non, moi je ne parle pas de l'IFDG. Bon, si tu me dis carrément que tu ne parles pas de l'IFDG, pourquoi alors chaque fois dans tes différentes publications sur les réseaux sociaux, tu attaques le parti en question? Mais est-ce que tu as vu, c'est écrit IFDG? Non, c'est pas écrit, mais quelque part tu dis, moi aujourd'hui je suis libre de me promener un peu partout en Guinée, mais par contre il y a des leaders politiques qui ne peuvent même pas rentrer au pays. Tu fais allusion à qui? C'est mon compte Facebook, non? Je oui? suis libre d'écrire ce que je pense. Tu fais allusion à Sidi Touré? Ça ne te regarde pas. Tu dis quoi? Ça ne te regarde pas. Non, c'est juste une question. Tu fais allusion à qui? À celui de l'Indialo? Non, je t'explique. J'ai dit ça ne te regarde pas. Il n'y a aucun problème. Maintenant, réponds-moi. Pourquoi tu continues toujours à t'attaquer à ces partis? C'est tout ce que je veux savoir. Est-ce que son nom est écrit là-bas? Le nom de qui? De ces leaders dont tu viens de dire, c'est l'Oudalin ou Sidi. Est-ce que le jour où ils étaient nés, oui. C'est le jour de leur baptême, ils ont dit Mamadou Sellou Dalé Ndiallo, ils ont dit Sidi Touré, ils ont dit Lansana Kouyaté. Oui. En fait, chaque personne a son nom et son prénom.
Est-ce que j'ai écrit dans mes publications Selouda le Moussidia? Non, je ne dis pas le contraire, mais réponds à la question. N'aie pas peur. Si tu es réellement un garçon, avec frère, tout ce que tu dis là, oui. Mon frère, tu sais que tu es un allumeur. Bon, je fais mon travail. Sincèrement, tu es un allumeur. Tu es libre de dire ce qui te semble bon. Non, tu es un vrai allumeur. Ousmane Nyeloui, en fait, dis-moi, pourquoi tu es... Moi, je me pose la question même. Oui. Pourquoi l'État laisse des journalistes comme vous... D'accord. Hein? Oui. Poser des questions. Rectificatif, moi, je suis animateur, pas journaliste. Non, je suis animateur, pas journaliste. Rôle, oui. Mais tu fais le rôle des journalistes. Mon frère. Parce que tu es assis dans un studio. Oui. Avec des micros. D'accord. Tu poses des questions. Oui. Et je ne sais pas, c'est West Africa TV. Oui. C'est un truc de journaliste. Donc, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas journaliste. Ousmane Nyeloui, je ne suis pas journaliste, mais tu peux interpréter les choses comme toi tu veux. Hein. Alors, réponds comme à ma question. Comme toi aussi, hein, tu peux interpréter comme tu as envie. D'accord. Ça m'est égal. Chacun est responsable. Et je m'en fous. Il n'y a aucun problème. Maintenant, voilà. Dis-moi, réponds-moi, pourquoi tu attaques toujours l'IFDG? La question est simple, au fait. Mon frère, je t'ai dit que je ne parle pas de l'IFDG. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'eux. Non, mais bien sûr, c'est que tu as peur. Tu n'as pas compris. C'est une ancienne histoire. Même si l'histoire est ancienne, tu as peur de Charles White. Charles White. L'actuel ministre de la justice. Il va faire quoi? Tu ne sais pas. C'est quoi ta convention? Quand tu sortais de la prison, là, on t'a dit quoi? Il n'y a jamais eu de convention. Mais bien sûr. Pour ma sortie. Il faut faire sortir. Voilà. En tout cas, il faut faire sortir cette l'hôtel 5 étoiles est toujours à Corentin. Hein. Fais très attention. Maintenant, fais sortir cette convention. Je vais la convention, ta liberté, elle est basée sur quoi? C'est une liberté. C'est quoi? C'est toi qui m'as libéré. Qui? Moi? Je t'ai pas libéré. Ah, voilà, maintenant, pourquoi tu poses des questions? Mais c'est normal, parce qu'il faut parfois toucher les points sensibles. Quoi. Moi, je n'ai jamais eu de conditions pour sortir. On t'a libéré comme ça, gratuitement, quoi? Parce que je devrais sortir. Parce que j'étais dans l'injustice totale. La justice même a compris quelle injustice. Que Nyeloui était dans l'injustice. Écoute, Ousmane Nyeloui me dit, quelle injustice, toi qui passais tout ton temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Je répliquais. Tu parles de quel... Tu répliquais contre qui? Contre ceux qui m'insultaient. Quels sont ceux qui t'insultaient là? Tu peux les indexer dans cette émission? C'est UFDG qui m'insultait. Mais attends. Et j'ai payé pour moi. Parce que tu veux qu'on parle. Oui, on va aller oui maintenant, tu payais pour toi. Tu trouves ça logique? Rester derrière ton téléphone et te mettre à insulter. Je trouve logique oui. aussi que eux ils m'insultent. Ils t'ont insulté pour te dire quoi? C'était le premier parce que Ousmane Nyeloui, franchement, ce que tu avais, en fait, ce que tu faisais était vraiment très grave. Très, très grave. Tu sais, oui, quand on parle, tu sais, c'est ça on dit en poula, hala, D'accord. Voilà. Tu fais allusion, c'est-à-dire, tu veux dire quoi par là? Non, pourquoi? Parce qu'il s'agit de Ousmane Nyeloui. D'accord. On dit non, c'est lui le problème. D'accord. Donc le problème, mais c'est le qui? Le problème des autres, on n'en parle pas. Je vais te donner un exemple. Vas-y. Quand j'avais problème avec UFDG, en ce moment, je reconnais que j'ai insulté. Tu as insulté qui? UFDG. En disant quoi? Non, j'attends. Tu ne peux pas manger pour moi. Vas-y. Tu ne peux pas pisser pour moi. Vas-y. Ce n'est pas possible. D'accord. J'ai dit, quand UFDG et moi, on s'insultait. Quand UFDG et moi, on s'insultait. Auparavant, en ce moment, on dit que Ousmane Nyeloui insulte. Je suis d'accord que UFDG pouvait répliquer. C'est leur droit aussi de répliquer parce que moi aussi, je les attaquais. Tu comprends? Mais aujourd'hui, prenons un cas, genre Ousmane Gawal. Est-ce que tu as entendu une fois Ousmane Gawal insulter le père et la mère de quelqu'un? Sincèrement. Non, Martin. Je te pose la question. Je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi? Pourquoi? Attends, Ousmane Nyeloui. Donc, ce qui veut dire, tu es un escroc. Il n'y a pas de problème. Tu peux dire ce que tu veux. Tu es un simple escroc. Tu trouves que je suis vraiment escroc, quoi? Oui, tu sais pourquoi tu es escroc? Je ne sais parce pas. Parce que tu ne dis pas la vérité. D'accord. Pourquoi mais tu ne dis pas la vérité? D'accord. Tu es quelqu'un à double vitesse. C'est-à-dire? Merci. Tu es quelqu'un qui défend. Les autres, comme qui par exemple l'UFDG, moi je défends l'UFDG. Oui, pourquoi tu dis ça? Non, je suis libre quand même de poser mes questions. Si on te vérifie très bien, oui, tu fais partie de l'UFDG. Qui, moi? Oui, pourquoi tu dis ça? Tu fais partie, milite là-bas. Nous, on connaît les journalistes d'actuel, ils mangent là-bas. Écoute, c'est Ousmane Nyeloui, ils sont en train de manger. Ousmane Nyeloui, moi, Ousmane Nyeloui, attends, parler Nyeloui sans que les journalistes ne sortent pour t'envoyer des bouquins, Nyeloui, en faisant appeler. Et des gens propres, Nyeloui. Tu vois un peu, en se faisant appeler des gens qui se disent, c'est eux, ils sont neutres,
Mais dans les coulisses, oui, ils sont avec eux. Ils font semblant de faire comme si eux sont les plus propres. On vous connaît. Voilà, je dois te faire savoir juste une chose, fais la différence entre un lâche et un escroc. D'accord, si tu ne sais pas, vérifie très bien dans le dictionnaire. Maintenant, ce que je voudrais te dire. Moi, je te dis, écoute, tu es un lâche, tu es un escroc. D'accord, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce que je voudrais te dire, écoute, Niel. Tu te permets encore de m'insulter dans cette émission. Oui, bien sûr. Pendant que tu as insulté beaucoup de journalistes ici au temps du professeur Alpha Condé, tu as insulté Mohamed Mara de FIM FM. On le sait tous, hein, cette information est vérifiée. D'ailleurs, c'est pourquoi il t'avait dénoncé la fois dernière quand tu étais sur le point de sortir du pays. Voilà, tu te rappelles bien. Ça l'a apporté quoi? Quoi? Il est devenu ministre. Mais grâce à lui, vraiment, on t'a mis aux arrêts. Ah, ok. Et après, tu es parti en prison. Maintenant, est-ce que je suis décédé là-bas? Non, tu n'es pas mort, mais cela t'a donné une leçon. C'est toi qui penses que ça m'a donné une leçon.